spectateurs et bienvenue en direction KMT. Comme chaque lundi, on se retrouve en direct à 20h45 avec toute la bande du squat. On est reparti pour une nouvelle... Une nouvelle belle semaine, j'en perds mes mots. On a Jason qui est avec nous. Jason, comment vas-tu? Ça va bien, toi, mieux. Je te sens bien, là? Ça va, t'es dans un bon mood? Toujours. Bon, alors, je sais pas. Bon, on va faire step by step aussi. Et Michel, comment vas-tu? Ça va, et toi? Alors, explique-moi, t'es très belle, hein? Explique-moi le délire. Alors, on va commencer par le début. Mes lunettes, Ika. Distribution. Bien. Donc, ça qui étonne en face de Sébastien. Et Aurélie de changer d'air m'a mis une, on va dire, une pâte gelleuse sur les cheveux, donc de couleur violette. C'est tellement beau. Franchement, ça te va bien. J'adore. Ça te va bien. En plus, ça part à l'eau, donc c'est vraiment c'est essentiel pour les femmes, pour la beauté des femmes. En parlant de femmes, on vient sur lui, Kevin. Allez, Kevin, comment vas-tu? Ça va, je te sens bien. Ça va super. Moi aussi, j'ai été coiffé par Aurélie. Bah, il changeait d'air vendredi et elle coupe très bien les cheveux. Donc, allez-y à Cholcher. Oh là là. Casse navire à l'époque. Gars, il vieux, je. C'était Cholcher, hein. Au bourg de Cholcher. Luana, comment vas-tu? Ça va, et toi, Lionel? Donc, t'es en mode patras, c'est ça? Arrête. J'ai entendu ça dans les coulisses. Oui, mais en fait, c'était pas trop le but, mais en fait, finalement, ça a donné ça. Comme Michel, les lunettes de chez Icar, et puis après, le reste, ben voilà, qui habille. Oui, mais patras, alors, on m'explique. Bon, hein. Non, okay. On n'a rien expliqué du tout. Ok, d'accord, très et bien. Et je suis la femme de Tupac. Ok, d'accord. J'adore. Et puis, on a aussi Tijo Sanka avec nous, maximum de bruit pour Tijo. Tijo, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Tu te sens bien aujourd'hui? Oui. La gorge, ça va mieux depuis la semaine dernière? Ça va mieux. Moyen. Tout ça, c'est du step by step. Bon, vous savez qu'on commence avec le proverbe du jour. C'est parti, on lance le jingle. Alors, les amis, vous savez quoi? Le proverbe du jour, c'est Zandoli, capissé. Si l'on fausse cocoï. On a déjà fait ça? Non, du tout. Du tout. Alors, est-ce que vous avez un délire ou pas pour le... Mais un zandoli, c'est un coco? Déjà, me tenez la question. Bon, Luana. Ok, donc, zandoli... Alors, après là, puisqu'il y a un nombril, le zandoli qui a un coco. Seigneur. C'est peut-être petit, hein, si... Moi, je peut-être, non, mais c'est ça, c'est qu'ils ont un coco qui repousse comme leur queue, ah, la vraie queue, tu sais. Ça tout, si tu coupes, ça repousse. Mais Luana, tu... Non, bon, Kevin, traduction, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ouais, dis, mais non, mais je vois pas. Zandoli, capissé, stylon, fausse cocoïe, pardon. Le zandoli fait pipi selon la force de... De quoi? Coco. Ok, qu'est-ce qu'il y a une idée? Bon, on fait team par team? Ouais. On sait pas. C'est bon, j'attends ce qu'on a. Comment c'est? Moment. Alors. Mon dieu. Genre là, je vais dire jeune. Tijo, ça, oui. Je gère. Alors, en créole, on peut dire. Non, en français, très bon français. Il peut pas péter plus haut que son cul. Et en français, il peut pas voir plus loin que le bout de son nez. Et en créole, je crois que c'est. Donc, alors, vous validez... Mais bien sûr que c'est ça. Donc, tu peux pas. Un résumé, alors, s'il te plaît. Fais un résumé de ce que tu as dit. Tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. D'accord. C'est ce que j'allais dire. On va voir. Vous avez un délire ou pas? Kevin. Mais c'est ce que j'allais dire, hein. Zandoli capissé selon fausse cocoïe. Ben, en fonction moi, de... Moi, je dis que le zandoli a une queue, si tu la coupes, ça repousse. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, je dis qu'en fonction... Que quand on a un objectif, ben... Ouais. Non. De toute façon, ce soir-là, vous n'êtes pas dans le game, ouais. Parce qu'aucune des teams n'a gagné. Ah, ça signifie que chacun agit selon sa force. Ça veut dire que mais c'est ce que j'ai dit. Mais non, tu n'as pas dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Non, elle n'a pas dit ça, non. Elle a dit qu'on ne peut pas... Non, toi qui as validé, tu n'avais qu'à trouver ta propre explication. Merci, je ne suis pas de cette team, même si on habille pareil. Tu vois. Mais non, Michel, tu n'as pas dit ça. Pour une fois, franchement, je suis déçu, Michel.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis déçue de toi aussi, Kevin, finalement. J'ai dit une autre langue, après, c'est pas de ma faute, voilà. Parce qu'on parle français. Ah, j'adore. Non, je rigole. Non, bon, non, vous n'étiez pas dedans. Bon, en tout cas, c'était coussi. Bon, alors, vous savez quoi, ceux qui nous regardent actuellement, n'hésitez pas à nous appeler au 0596 48. 44 25. Très bien. Et à ce moment-là, on fera gagner un cadeau. Le premier qui appelle, on fait un petit jeu et puis on fait gagner un cadeau. Alors, ça vous dit, on continue avec le buzz du jour ? Oui. Bah, oui, hein, si c'est. C'est, si il c'est est très, très, très intéressant, continue. Le buzz du jour. C'est parti, on lance le jingle. Le buzz du jour, je pense que vous l'avez vu tous cette semaine, c'est bien sûr le bon d'un à la place du bonjour. On va en parler. Alors, depuis qu'un responsable syndical a déclaré sur une chaîne publique qu'un juron, c'est le bonjour des Martiniquais, les internautes, bien sûr, ont commencé à faire plein de buzz par rapport à ça. Et justement, une entreprise locale de communication a décidé de surfer sur la vague du bon d'un moment et sa définition devenue tendance. Donc, elle a publié une vidéo avec la légende, puisqu'il paraît que c'est comme ça qu'on dit bonjour à Martinique. On regarde la vidéo, on revient de suite. Bon d'un moment, Dédé, ça va? Bon d'un moment, everybody, ça va bien? Bon d'un moment. Vous avez passé une bonne soirée? Karine, bon d'un moment. Oui, il n'y a pas de souci, attends, je regarde ça rapidement. Hugues, tu as... Bon d'un moment. Ah, bon d'un moment, excuse-moi. Tu as pu avancer sur le dossier parce qu'on a oui. Un collègue dans un moment. Okay, voici. Bon ben, dis-moi... Bon d'un moment. Bon d'un moment. Bonjour. Donc voilà, c'était le buzz du jour. Enfin, c'est le buzz du jour. Donc, choqué ou pas choqué déjà? Qu'est-ce que vous en pensez, Luana? J'adore l'accent des blancs. Ça m'a fait kiffer, j'adore. C'est génial, mais faut le dire, je suis la seule blanche du plateau, je suis la seule à pouvoir le dire, écoutez, je vais le dire, voilà. Excuse-moi. Non, mais j'adore, ils ont un accent, c'est magique. Non, c'est choqué ou pas choqué? Parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils sont choqués. Pourquoi bon. Pourquoi? Non, je suis pas choquée, c'est mignon, c'est bien, ils ont surfé sur la vague, très c'est bien, pas mal. Tu as tellement raison, Jason. La même chose que Luana, ils ont surfé sur la vague, c'est pas choquant. Pas choquant. C'est une vidéo comique. Exact. Michel? Non, moi aussi, c'est de l'humour, après c'est qu'une... T'as de l'humour, toi, dans ta vie. Pas... Oui, beaucoup. Mais après, bon, moi, j'ai rigolé, j'ai explosé de rire quand j'ai vu la vidéo. J'ai adoré. Très bien, Kevin. Ouais. C'est de l'humour, après, bon... C'est pas ton on délire. On peut en faire des tonnes. Hein. Si on fait ça à chaque fois qu'il y a un événement, mais... voilà, quoi. Je vois pas quel est l'intérêt de faire une vidéo où on dit, bon, d'un moment, on va perdre les oies. Donc, la dame a fait son truc, elle a subi ce qu'il fallait subir. Mais je vois pas quel est l'intérêt de faire une vidéo de 2 minutes où tout le monde se dit bon d'un moment. Après, bon, bravo hein, pour le script, mais je ne vois pas quel est l'intérêt. Qu'est-ce que ça a changé de plus dans la société? Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Mais rien du tout. On aurait mis un petit jeu, t'en penses quoi? Mais moi, j'espère que la personne qui a dit à la télé que bon d'un moment, c'était comme dire bonjour, prendra conscience de ce qu'elle a dit à la télé avec cette vidéo. Avec cette vidéo-là, parce que... Moi, cette vidéo-là m'a pas choqué, mais le monsieur en lui-même qui affirme que, là, par contre, j'étais énervé. J'étais vraiment énervé. Mais ils ont quand même bien tourné ce... Oui, moi j'ai bien rigolé. Ouais. Oui, moi j'ai bien rigolé. C'est vrai, bon, je pense que lundi prochain, on commence l'émission en disant... Bonjour. Bon, alors, vous savez quoi? J'aime beaucoup hein, l'émission. Parce qu'en plus, je vous explique, c'est que je dis à l'antenne, le premier qui appelle, on le prend et on va lui faire gagner un cadeau avec un petit jeu. Donc, il y a quelqu'un qui appelle et Paco qui me dit, Alan a appelé, il a gagné. Donc, moi, je lui dis non, il n'y a pas d'Alan qui a gagné parce qu'on n'a pas eu Alan au téléphone. Donc, excuse-moi, Alan, si tu nous regardes, rappelle-nous et puis à ce moment-là, on discutera avec toi et à ce moment-là, on verra si tu vas gagner ou pas ton plateau pour Bento Création. Vous savez quoi, on continue avec le It's My Song. Donc alors le It's My Song, c'est partout, on lance le jingle. Je vous explique le It's My Song, c'est un petit jeu qu'on a concocté avec Tijo. Un petit jeu qu'on a concocté avec Tijo. Ça arrive, Tijo. Wow, d'accord. C'est beau. On t'a pas respecté, Tijo. J'ai vu ça. D'accord, bon, alors je vous explique. Donc on fera team par team. Donc la team, vous appelez comment? Piment rouge. Yeah. À
Alors attends, non, mais attends, c'est pas. Non, on est en rouge et elle s'appelle piment rouge. Alors non, fais quoi? J'aime le piment. La team piment bleu. Piment violet. I like spice. Ah, yeah, yeah, tu vois. Wow. Et la team. Bon, on prend vite fait la personne qui a l'antenne. Allô? Allô? C'est quelle team vous? On réfléchit, on essaie de faire ça discrètement. Alors, team, on essaie de faire ça discrètement. Red. Ah, la pub rouge de WhatsApp, mais il faut lui donner un nom. On est en direct, hein, sur KMT. Red Peaver. Red Peaver. Allô? Comment on aime les dessins animés? Allô? C'est pas Octopus? Allô? On me dit qu'il y a quelqu'un dans cette émission. Allô? On peut s'appeler Octopus. Madame, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Wow. Ok, wow, excuse-moi, tu as atterri comme ça là. Oh, oh. Comment vas-tu? Ça va, merci. Comment tu t'appelles? Vanessa. Vanessa, tu nous oui, appelles d'où? Je suis là. Non, écoute dans le téléphone, hein, pas dans la télé. Ok, d'accord. Tu nous appelles d'où, Vanessa? De Fort-de-France. Très bien. Alors, Vanessa, je t'explique. On va faire un jeu qui s'appelle It's My Song. Donc, en fait, c'est un blind test, si tu veux, que T-Jeu nous a concocté. Et ce sera team contre team. T'es pour quelle team, déjà? Tu vas gagner ton cadeau par rapport à la team à laquelle t'as choisi. T'es pour quelle team? Team. Allez, voilà, j'en entendais pas. Je vous écoute maintenant. Tu m'as fait me répéter. Ouais! Alors, je t'explique. On a fait un jeu qui s'appelle It's My Song avec T-Jeu, d'accord? Qui nous a concocté un blind test. Tu m'écoutes, hein? Oui, oui, je vous écoute. Ok, Vanessa. Donc, là maintenant, il faut que tu choisisses une team, parce qu'en fait, ce sera team contre team. Dis-moi si c'est pour la team Dread Team. Non, Rouge Luqué. Rouge Luqué, ou si c'est pour la team Team Rouge. Je ne suis pas pour. Pour quelle team que tu es? En rouge. Ok. Les deux du rouge. D'accord. Non, mais c'est celle-là. De toute façon, elle a choisi son camp. Donc, tu penses qu'eux, ils vont gagner. S'ils gagnent, tu gagnes ton cadeau. Par contre, s'ils perdent. T'es risqué et péril, hein, d'accord? D'accord. Ok, bon, c'est okay. Parti, on fait le blind test de T-Jeu, c'est parti. Vous devez deviner les sons, hein, donc gardez vos mains les sons et on non, fera... Non, artiste ou quoi? Artiste, T-Jeu. J'ai joué, mais quoi? Ok, premier son. C'est parti, deuxième. J'adore cette émission. Troisième, c'est parti. Ancien heure. Vanessa, t'es toujours avec nous? Oui. Ok. Non. C'est parti, quatrième. Attends. Vous n'avez pas de réponse, Vanessa, j'aimerais arrêter dans la... Très bien. C'est bon, Tito? Non, y'a d'autres. Y'a un autre son? C'est bon? On peut commencer? C'est pas qu'un alcoolique, hein? C'est qu'un cabret, l'ennemi. Ok, très bien. Bon, alors, Vanessa, est-ce que tu le sens bien ou pas ce blind test? Si, je savais pour l'autre. Écoutez. Vanessa? Vanessa? Oui, je m'écoute. Tu le sens bien ou pas? Oui, je pense que c'est l'équipe que je choisis qui a gagné. Ok, d'accord. Bon, vous en avez combien? 5. Et vous? 1, 2, 3, 4. Non. 5. 1, 2, 3, 5. 5? Non, le dernier, il y a 6. Ah, 6. Ah non, ben on a perdu alors. Parce non, qu'on mais on verra si c'est bon. Si alors, c'est bon. Allez-y. Alors, le premier Gypsian. Ok, est-ce que vous l'avez? Mais c'est pas ça. C'est pas Gypsian. J'ai gagné! Alors, attendez. Alors, deuxième. Mais c'est pas ça, donc déjà c'est deuxième, bon. Deuxième. Deuxième. MC Hammer, Kentucky Jest. Ok, troisième. Les aiglons. Le deuxième, c'est pas ça. Ok. Oh, c'est pas ça. Après. C'est super. Allez, on continue. Le troisième. Putain. Tidou Belcréati de Jean-Philippe. Non, c'est pas Tidou Belcréati. Non, c'est Belcréati. Non, on prend. On l'a. Est-ce qu'on oui, quand même. Alors, ensuite. Le dernier sur premier. Bon, ben alors. Cranium, nobody has to know. Oui. Si tu veux, je peux chanter, mais non, ça ira. Ça ira, hein. On reçoit déjà Soro, donc je pense que tu Kevin peux pas être chanteuse possible. Oh, d'accord. Il va apprécier, hein. Non, je pense pas. The second is nobody. Okay. Mais nobody. Non, non. Le cinquième, c'est quoi? C'est ça. Martelly.
En fait, il a lu la réponse de donc Cranium. Donc, tu as attends, Cranium, Martelli. Oui, Martelli. Et Soro. Ben, donc, vous avez les mêmes réponses. Non, on a plus que. On a plus que. Non, parce qu'ils en ont deux, vous en avez trois. On a deux. Voilà. On en a trois, les aiglons. Mais aussi, ils ont non, les c'est aiglons. Pas les aiglons. C'est même pas les aiglons. C'est pas les aiglons. Cette émission est fouillée. Mais non, c'est pas fouillée. Merci. On a gagné. Non, mais bien sûr. On a gagné. Vanessa. Oh. Vanessa, ça va? Vanessa. Ah, d'accord. Bon, tu as gagné, tu as compris ça. Bien sûr. Bon, Vanessa, je suis une gagnante. Comment? Je suis une gagnante. Ah, ça, on l'applaudit quand même. Merci beaucoup, Vanessa. Bon, alors, Vanessa, tu sais quoi? Donc, tu remportes justement ton épilation sourcils au fil. Donc, une mise en beauté offerte par le squat, d'accord? Super. T'es contente? Oui, je suis super content. D'accord, alors reste en ligne, on va te reprendre et puis on échangera tes coordonnées. Laisse-nous tes coordonnées, puis de toute façon, tu vas pouvoir revenir pour gagner ton pass. Bonne OK? D'accord. Bye bye. Gros bisous, Vanessa. Au revoir. Bisous. Allez, bon, alors c'était sympa. Bon, vous êtes quand même disciplinés. De rien, Vanessa, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, c'est comme ça. On prend Alan par derrière. Bravo, génial, franchement. Je tiens à dire que Soro filme en même temps. Je pense qu'il va nous envoyer ça après, ce sera bien. Alan. Ah, à mon avis, il est parti. Hein. Alan. Alan, allô? Allô? Oui, Alan. Oui? Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors tu nous appelles d'où? De la Chelsea. Très bien, Alan. Tu as quel âge? 22 ans. Ah, ça va, très bien. Bon, c'est pour voir la moyenne d'âge à peu près de cette émission. Je pense qu'on n'est pas à bagaille grand monde. Je rigole. Alors, Alan. Alan, on m'a dit que tu as remporté ton plateau de Bento Création, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Tu es content? Oui. Tu nous fais une petite dédicace ou pas? La meilleure dédicace du monde, vas-y. Pourquoi? Pour le squat? Pour une chose? Non, le squat. Le squat, pardon. T'allais répondre quelque chose là. Pour le squat. Pour crier. Tu fais ce que tu veux. Ça doit être le. On doit valider en tout cas. Allez, c'est parti. Le squat de la meilleure émission. Ouais. Merci beaucoup, Alan. Bon, allez, regardez-nous. De toute façon, on continue. Vous savez quoi, avec le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle. Alors, bon, Alan est toujours avec nous. C'est possible de le couper, s'il vous plaît? Enfin. Qu'est-ce que t'as avec ça? Excusez-moi, mais. J'aime beaucoup. Non. Mais c'est quoi cette émission? Il t'a entendu? Mais Alan. Oui. Alan, merci beaucoup. À plus tard. Bye. Bon, alors Tijo, qui a un coup de cœur. C'est parti, Tijo. Explique-nous tout. Ouais. En fait, il y a déjà un mois. Il y a l'album de Travis Scott qui est sorti, le nouvel album de Travis Scott. Ouais. Et franchement, ce que j'ai adoré dans cet album-là, c'est même pas les morceaux avant, c'est le coup de communication qu'il a fait avec l'espèce de sphère avec sa tête qu'on voit, qu'il a un peu mis partout, il a mis ça à Paris, dans des boutiques aux États-Unis, à Londres, etc. Il y a des gens qui passaient, qui ne savaient pas ce que c'était, qui ne savaient pas, mais quand on présentait cette sphère, qui était cette personne. Et les gens qui sont fans de Travis Scott ont vu. Donc la tête de Travis Scott comme ça dans la rue sans pour autant savoir. Et les gens attendaient l'album depuis 2017, donc on n'attendait plus l'album parce qu'on était déjà en 2018. Et il y a des featuring qui n'étaient pas prévus qui sont arrivés avec Drake, avec énormément d'artistes, j'en ai oublié. Et franchement, c'est un gars qui a révolutionné un peu le monde du rap, du trap américain, parce que l'album, les morceaux sont très jazzy, très mélangés avec une culture en fait qu'on ne retrouvait plus dans le rap. Et franchement, moi, c'est un album qui m'a plu. C'est un album qui m'a vraiment plu. Il y a énormément de tubes dedans qui vont sortir au fur et à mesure pour ceux qui n'ont pas encore acheté l'album.
qui est disponible sur toutes les plateformes. Mais franchement, c'est un bon coup de cœur parce que c'est un artiste. Il a tout compris, quoi. C'est une belle femme. Une belle femme. C'est qui cette femme-là? C'est Michel. On parle de la musique. Il nous parle de la femme. Sa femme, c'est pas vraiment. Sa femme, c'est qui? C'est Kylie Jenner. Kylie Jenner. Ah bon? Oh, c'est sympa. Quand t'es refaite, t'es pas belle. Oh. On va pas prendre Bon, vous savez quoi? On continue avec le coup de gueule de Luana. Donc, Luana, explique-nous. Oui. Alors. Le 16 novembre, c'était la première journée mondiale de la prévention, enfin, oui, contre pour de la lutte contre la dépigmentation et le défrisage. Ouais. Donc, dépigmentation ou bleaching ou blanchiment dans la peau, etc. Donc, un phénomène qui naît en Afrique. Qui s'exporte dans la Caraïbe et qu'on voit aussi en Chine, en Inde, etc. Enfin, bon, partout où il y a des gens noirs, en fait, voilà, tout simplement. Et en fait, c'est grave parce que ce sont des piqûres, des crèmes, ou... enfin voilà, qui décapent la peau, tout simplement, qui te... quand tu décolores tes cheveux, en fait, ben, c'est pareil que ça te brûle la peau et ça t'éclaircit, en fait. Exact. Donc, Vibes Cartel justement qui l'ont fait. Voilà. Alors. C'est ça? Vibes Cartel l'a fait et Spice a fait le coup. Donc Vibes Cartel l'a fait. Bon, il était. Bon. Et Spice a fait en fait un coup de com pour dénoncer ça dans le même ballon avec Black Hypocrisy. Et en fait, c'est vraiment. En fait, on pensait pas que ça arriverait dans la Caraïbe. Et en fait, si. Ben on regarde de toute façon le clip de Black Hypocrisy, on remet de suite, c'est parti. I get hate from my own race, yes, that's a fact. Cause the same black people, them say I'm too black. And if you bleach out your skin, them same one come a chat. Well, since you say that I'm too black for you, I please you, do I look how you want me to? Now I'm gonna see if you're gonna say I'm too black for you. Or do I look pretty to you? Le clip de Spice Black Hypocrisy, c'était le coup de gueule. Oh là là, ceux-là sont en train de faire leur émission aussi. Une question qui rapporte le coup de gueule. Alors vas-y, Kevin. Eh bien oui, je voulais savoir. Elle m'a fait peur là. Donc, quand elle était en noir, je voulais savoir si elle était blanche à ce moment-là. Oui, c'était le make-up blanc. Oui, elle est toujours noire. Elle est toujours noire. Oui, non, mais. C'est le moment où elle s'est peinte en blanc, voilà. En fait. Okay. Voilà. Un bon coup de com', en tout cas. Un très bon coup de com'. Elle est forte. On a même parlé d'elle ici. On en a parlé, exactement. Ouais. C'est une bonne dénonciation, de toute façon. C'est très bien. Pour la Black Hypocrisy. Exact. On continue avec le coup de cœur de Jason. C'est parti. Jason. Alors, wow. Mon coup de cœur. Oui, bah, c'est vas-y. D'accord. Mon coup de cœur sur notre très cher ami Yoshi. Oui, non. Mais vas-y. Alors, vas-y. Sur notre très cher ami Yoshi, je voudrais vous montrer la vidéo que la vidéo passe d'abord. On regarde la vidéo, c'est parti, on regarde la vidéo de Yoshi, après on revient dessus. Saïdia, c'est Yoshi. Alors, chaque semaine, je vais vous présenter un artiste antillais qui mérite d'être mis en avant selon moi, selon son talent, son... ou même selon vos propositions à vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Titoff. Titoff, c'est un univers vraiment trap. Quoique maintenant, il commence un peu à s'ouvrir, à faire des sons un peu dansants, R&B, parce que sur son dernier album Midi Minuit, il avait sorti certes Gross Take, un son un peu club, mais il a aussi réussi à faire 1 million de vues avec le single Malade et aussi à faire son album être streamé 1 million de fois. Et ça, c'est énorme parce qu'il est en indépendant. Et moi, je pense que c'est très important de donner la force à ce genre d'artiste. Il vient de ma petite Martinique, du Bloc 32. Et là, le voir être au sommet comme ça, parce que nous, on lui a donné la force, je pense que c'est très important. Donc vous aussi, je vous invite à aller streamer son album Midi Minuit, disponible partout. D'ici là, restez plugués. Moi, je reviens avec un peu. Voilà, c'est franchement. Alors, j'ai kiffé ce qu'il a fait, parce qu'en fait, ce que peu de médias font, même locaux, ici ou ailleurs, là, je ne citerai pas le nom, ne parle pas des artistes locaux. Non. Par exemple, il est sur un réseau, sur une plateforme là, avec auprès de Balou, qui est un animateur assez connu sur la culture urbaine, pour justement montrer, comme pas comme nous-mêmes, mais comment expliquer,
D'autre part, comment ça se passe chez nous, ouais. Et ce que je trouve super, c'est que personne n'a pris comme initiative, en fait. Non, c'est vrai. Et en plus, moi, j'aime beaucoup la réalisation de la... personnellement. Je sais pas si vous avez vu le délire avec le fond vert. Ah, c'est super, par contre, ça, c'est bien. Un petit mot pour en France qui nous regarde en plus en direct sur Facebook. Ben, je pense à toi, les saucissons super bons et comme je sais que tu aimes bien manger, ben voilà. Oh, sympa, elle est en train de manger les sushis de Bento Création. Kevin. Eh ben voilà, good luck, big up dans le froid, nous il fait super chaud. Et puis voilà, bonne continuation, un bon plug. Okay, oh là là, c'est Michel. Eh ben, bisous Yoshi. Quand j'ai regardé la vidéo, ça m'a. Tu me manques. Oh là là. Ça, la présence, ça fait un vide. Mais Jason te remplace bien. La chute. Mais je m'en fous de ta gueule. Donc voilà, non mais c'est bon. Jason prend bien la relève. Ça passe bien. Non. J'adore, la pierre a balayé les gars. Toujours un message pour Yoshi, pardon. Ben, Yoshi, bonne continuation, puis dans ton projet, banco, félicitations. J'ai pas encore vu la vidéo, mais en tout cas, dès que je vais... Non, tu l'as vu, non mais je l'ai dit, au moins là c'est un bon gars. Mais c'est un bon gars, je l'ai pas encore vu, mais quand je la verrai, ben, je vais partager. En tout cas, bonne continuation à toi. C'est bon soleil. On embrasse Yoshi de Paris, et puis en tout cas, bon vent avec Tamis. Ces dossiers. Vous savez bien, on continue avec la Martinique Bouba Sylvia, la chronique de Michel, c'est parti, on lance le jingle. Non. Allez, c'est parti, j'adore Michel pendant le jingle. Eh bon Dieu, mais j'étais pas prête. Non, allez. Parce que ça allait tellement vite, donc que rigole. Allez, alors... des fortifiants. Allez, c'est parti, Michel. Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? De la savane des pétrifications. Ça fait 2 mois que je dois vous parler de la savane des pétrifications. Eh bien, je profite pour le dire. Lionel, à chaque fois, remporte ma chronique. Donc, enfin, j'ai ma chronique. Je peux vous faire part de ce que ben, j'ai bien envie de vous faire partager depuis un certain nombre de temps quand même. Donc, on y va. Ok, elle a tiré. Bon, vas-y, ma chérie. Je n'ai pas tiré sur toi, c'est bizarre ça. Alors, vous connaissez tous la savane des pétrifications, t'as ou pas des images? Oui, bien sûr. Donc, des images. Voilà. J'ai choisi de vous montrer pour moi mon top 3 des images qui ont été prises à la savane des pétrifications. Donc là, ce sont deux modèles du magazine Créola. Là, c'est Aurélie Joachin qui pose. Donc, voilà. Ensuite. C'est du step by step. Hein. Petit wow. Bijou, la photo est magnifique. On aurait dit une photo de Vogue, des grands magazines. Alors que non, on est au sud de la Martinique, entre l'Anstrabo et la table du diable. Très bien. Là, c'est. Vanille. On en dirait. C'est Vanille. Si, Lexus Mayotte. C'est pas grave, son prénom. Magnifique. Elle est jolie. Alors, la savane des pétrifications. Oui, ouais. Donc je vais lire, cher téléspectateur, parce que Lionel, à cause de lui, il m'a pas préparé à ça. Allez. Donc on va faire avec. Alors, j'ai emmené mon plan pour que vous puissiez mieux comprendre, et je pense que ce sera plus facile pour vous. Donc, voici la Martinique. Il y a des millions d'années. La savane des pétrifications, selon vous, date de combien? Et le zoom en plus, hein? Génial! Ah bah, c'est magnifique! Allez, date vas-y. De combien de millions d'années, d'après vous? Ah, pas la des millions. La savane des pétrifications? Oui. C'est des millions? Des millions de millions. Il y a des millions d'années? Non, la savane des pétrifications. Non, mais la savane des pétrifications est en Martinique. Oui, donc, si la Martinique n'a pas des millions, la savane... Comment tu dis déjà? Rassera. 2000 ans. Non, mais non. Alors, moi je sais pas. Eh ben allez, oh. Mais je vous la cherche. Alors, il faut savoir que la savane de pétrification et la caravelle sont les deux plus anciennes parties de la Martinique. Ah ouais. Elles datent de plus de 24 millions d'années. Ah ouais. Plus de 24 millions d'années. Donc, c'est-à-dire que c'est lors de volcans qu'elles sont sorties de la mer, donc nous le savons tous. Donc, ce sont de nombreuses éruptions volcaniques qui successivement ont formé la Martinique, dont alors la et la savane de pétrification en premier. Donc, alors, la partie la plus récente de la Martinique est bien sûr au nord de la Martinique, qui date de 5 à 1 million d'années.
Alors, donc nous savons très bien. C'est le nord qui est plus récent alors que c'est le nord qui a la montagne Palais. Oui. Eh ben, oui. Et avec la montagne Palais qui est toujours en activité. C'est le volcan le plus. Et qui est surveillé. 5 millions. Alors, oui. Contrairement à la montagne du Vauclin et de Morbihan qui, eux, sont des volcans morts. Donc, j'ai fait des recherches, bien sûr, et je voulais vous demander, cher chroniqueur et présentateur Lionel Nido, qui se croit plus intelligent que tout le monde. Évidemment, l'archer mesure combien de mètres? On n'affirme pas ça, parce que vous êtes intelligent. D'accord, oui, j'ai fait des recherches, je ne savais pas. Vous avez moi, dans les 1000, un truc comme ça? Non. 3000. Alors, le Mont l'archer mesure 450 mètres. 3000. La montagne du Vauclin, qui est un volcan mort, 504 mètres. Et la montagne Pelée? 1200. 1398. Mais attends, Mont Pitou, ça serait un volcan? Oui. Je savais pas. J'ai appris quelque chose. L'un des premiers. Donc ça, voilà. Ah ben. Donc la sérénité pétrification, pour revenir, donc il faut être clair et net, c'est la première partie de la Martinique qui a fait il y a 5 millions d'années. Donc, et donc la particularité qu'on trouvait à la sérénité pétrification il y a des années, puisque maintenant les touristes, les chercheurs, alors, on dépouillait la savane. On pouvait trouver à l'époque, à la savane des pétrifications, ce qu'on appelle du jaspe, marron et rouge. C'est une roche sédimentaire, donc en fait, une roche qui se forme avec le temps et la vieillesse. Et du bois silicifié. Lionel, tu m'écoutes? Non, mais oui, parce qu'en fait, je suis en train de regarder celle-là ouvrir sa canette. Elle est en mode. Non, excuse-moi, Michel, mais la vie, on en est mis. Ça fait du bruit, et puis tu l'as. Eh ben excuse-moi, pardon. Allez, continue. Voilà. Et nous pouvions aussi trouver, pardon, du bois silicifié. Donc c'est une roche qui ressemble à du verre. Oh, wow. Donc je pense que vous avez déjà vu ça dans le nord de la Martinique. Oui, oui. Comme dans le sable noir, exact. Il y a des roches un peu qui ressemblent à des verres. Donc c'est ça. Mais on n'en trouve plus malheureusement puisque bon, il y a des pilleurs en Martinique. Les touristes volent nos belles roches et pierres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et puis bon ben les enfants. Il y a des pétrifications. On ira faire un petit tour. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Donc un petit point rappel. Hein. Donc la savane. Alors, la savane des pétrifications et la caravelle qui date de plus de 24 millions d'années. Merci Michel. Elle nous a apporté une petite information. En tout cas, si vous n'avez pas retenu que la savane des pétrifications est la première partie de la Martinique éclos, ça. Je crois qu'il y a un problème. Voilà. Bon, merci. Alors vous savez quoi, on a fini la première partie de l'émission quand même. Hein. Notre invité de toute façon tout à l'heure après la pub sera Soro qui sera avec nous. On va lui poser toutes les questions qu'on a à lui. Et puis on va entendre aussi son dernier titre avec DLF qui s'appelle Chalet, qu'on va écouter aussi. De toute façon, on va voir tout ça tout à l'heure. Vous savez quoi, appelez-nous aussi au 05 96 48 44 25. Et après la pub, on fait gagner aussi un max de cadeaux dans le squat avec toute l'équipe. On se voit tout à l'heure. Madinina number one, différente tu vois comme la vibe. Bonne wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes, respect les dames tom. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Je m'appelle Sylviane Gaudy, je suis créatrice de mode et costumière. Alors, ça fait 30 ans que je suis dans la création. Alors, si je dois définir mon travail, je dirais l'originalité, la modernité et aussi je suis avant-gardiste. Notre métissage. Donc la femme créole m'inspire beaucoup et aussi les couleurs qu'on trouve dans notre paysage martiniquais.
Alors l'épée inspirante s'adresse à la femme qui ose, à la femme qui veut être différente et qui veut se montrer, qui n'a pas peur de se montrer. Demandez aux dames de ne pas avoir peur d'oser, de ne pas avoir peur de plaire, de ne pas avoir peur d'être de plus en plus belle. Les matières, je travaille toutes les matières en fait. J'adore travailler les matières, mélanger sur toutes les matières, faire un métissage justement. Situé à Zac de l'Étang Abricot à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. De niveau, il comporte trois salles, salle Ernest Pivetal, salle Seyad et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Bienvenue au restaurant Le Petit Balcon, Villa Coloniale, haut lieu de mémoire de la musique et du patrimoine martiniquais et caribéen. Demeure d'Alexandre et Anka Bertrand, illustre personnage du des années 50. Ce restaurant, situé sur les hauteurs de Fort-de-France à deux pas du centre-ville, vous propose une cuisine savoureuse et inventive à base de produits du terroir et aux saveurs oubliées. Les dimanches, déjeuner dansant de midi à 17h, musique traditionnelle en live. Les vendredis et samedis soirs, ambiance musicale traditionnelle en live. Les mardis, jeudi, vendredi, déjeuner rapide ou d'affaires de midi à 15h. Le Petit Balcon, c'est au 94, route de la Folie à Fort-de-France, 05 96 39 21 22. Le Petit Balcon, y aller une fois, c'est y revenir souvent. Boy, des sexy gals, il y en a des tonnes. Respect les dames tomes, c'est pour elles que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. En direction KMT. Super! Il est 21h24, on est en direction KMT dans l'émission Le Squat. Avant justement de prendre discussion avec. J'aime bien avant de prendre discussion, wow. Les gars. Surtout que c'est pas français, avant c'est pas très moi. Avant d'entamer une discussion avec Soro qui est notre invité, je voudrais juste vous faire découvrir un nouveau single. Vous allez me dire sincèrement ce que vous en pensez. C'est parti, le nouveau single de DJ Jackson, Fit Rochelle et Drew, qui sort mercredi. Allez! On regarde juste la vidéo. C'est. Ok. Jackson, Rochelle.
Allez, les amis, alors vous savez quoi? C'était... Pardon, j'arrête de regarder Tijou, il était en mode... Le gars était pianiste. Ah, mon Dieu, vous en pensez quoi? C'est le prochain son, mais là, pour la session Zouk en mode Bing Bing, tu vois? Okay. Il y a une session Zouk Bing Bing et puis une session Zouk... Tout pas de son de son. Ça sera pour la session Zouk Bang Bang, tu vois, avec le, tous les autres là, les Onfoy et compagnie là, et puis les remixes et compagnie. Ça s'appelle Gouillade. Oui. Bon, ça suffit. Voilà. Désolé. Ah, le son est magnifique, j'aime beaucoup. Tu te vois danser dessus. Mais si, mais si, mais ouais. Les deux. Une démo. Danser avec des petites choupettes. Yeah yeah. On met la musique à deux. Comme ça, mais bon. Mais bon. Michel, tu sais danser le Zouk ou pas? À quoi bon parler? Non, mais viens là, viens! Et toi, Lionel? Non, oui, je sais danser. Oh! Michel... Ça va le détruire, non, 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 mais viens, pour rien. Viens, non, c'est pas avec moi que je vais danser, tu vas danser avec Jason. Viens, ah, non, y a un problème! Viens, si je balance le son, c'est pas avec problème! Alors là, on regarde juste. Elle a dit pas de problème, alors. C'est possible d'augmenter le son, s'il vous plaît? Allez, on y va! Aïe, aïe, aïe! J'adore! Alors! C'est pas bon. Augmentez un peu s'il vous plaît. Ça aïe, 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 aïe. 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 Ok, merci. Allez. Moi j'aimerais dire qu'heureusement qu'il y avait Michel hein, quand même. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Sinon... Tu vas paniquer, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il danse très très bien. Il faut préciser. Et, oui, non, mais danse. Non, mais tranquille. Bon, vous voyez toujours une battle party, moi. On va gagner. Si on fait pas, on appelle la sorte, s'il vous plaît. Le gars s'est pris dans danser avec les stars là. Bon, Kevin, ta réaction sur le single de DJ Jackson? Non, non. Alors, très sincèrement, c'est sympa. Et puis voilà, c'est un bon petit son à mettre dans une soirée pour danser. Ça va, Tijou? Mais comme disait Luana, franchement, ouais. c'est un hit. C'est un hit à placer dans les sessions qu'on appelle session chaude Gouillade en soirée parce que tu as plusieurs styles de zouk. Et ça, c'est vraiment un son genre avec la rythmique qu'on part, tu sens que ça descend, tu vois. Donc franchement, c'est bien. Exactement. Bon, ben, en tout cas, j'espère qu'on va recevoir Ruchel ou Anthony Drew sur ce plateau s'ils nous regardent. Ou DJ Jackson. Ruchel. Oui, bien sûr, DJ Jackson. Ou DJ Jackson. On va le recevoir, ça c'est sûr, je vous le dis. Bon, il est compliqué, il n'aime pas trop. On va le recevoir. Bon, alors notre invité aujourd'hui, c'est Soro. Soro, comment vas-tu, pardon? Ça va bien. Alors, tu as commencé en... Oui, on t'entend très bien, oui. Tu as commencé en 2005. Est-ce que tu te voyais déjà devenir chanteur? Oui. Tu voulais, tu savais que tu voulais faire ça? Je suis visionnaire. Aïe, 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 j'adore. J'ai ma vision dans ma tête. L'offense. Très bien, c'est bien. À pied pas craqué, d'où vient cette phrase? Ben, cette phrase-là, c'est Nico qui a trouvé cette phrase-là en mes vacances en 2013. Mm-hmm. On c'est Nico qui a lâché ça à pied pas craqué. Il s'est resté. Après, on a mis APK, Dimitri, toi, les initiales. Très bien. Alors, c'est vrai, donc vous êtes un crew. Alors, est-ce que c'est familial? Enfin, c'est quand même un crew. Est-ce que c'est familial? Cousin de qui? Qui est la cousine, le frère et soeur? Parce que c'est vrai que j'entends, par exemple, je crois que Chrissy, c'est ta soeur, c'est ça? Enfin, explique-nous. Chrissy, soeur. Ouais. C'est un petit squinquin. C'est cousin de Nico. DLF, c'est mon petit cousin. Donc, c'est le petit cousin de Chrissy. Et puis, il y a qui encore? C'est tout. Très bien, d'accord. Iwin, il y a Iwin, mais bon, il est moins connu, mais il y a DJ. DLF, c'est mon petit cousin. Ton petit cousin. Ouais. En tout cas, vous travaillez en famille, vous faites du très 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 bon travail. Vous validez ou pas l'équipe? Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Attends, comment vous posez une question? J'ai l'impression d'être agressé. Bien sûr que oui. Applica, c'est bon. Mais bien sûr. Ce n'est qu'on tourne à but. C'est une évidence. Mais oui, ce n'est qu'on tourne à but.
dans une soirée, puis j'entends pas au moins un son des APK. Ok, très bien. Alors, on me dit en régie que. Alors, on vérifie. Non, le micro. Non, on t'entend, mais on me dit qu'il faut vérifier quand même. Bon, je vérifie. Un morceau qui te représente. Le morceau là pour toi qui te représente, toi, Soro. Je pense que je me représente un Lequel qui sort du lot pour toi? Après, celui que je préfère chanter. Peut-être Je suis Caisson. Je suis Caisson au pays. C'est celui que Luana danse soirée. Tout comme ça, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est la même. Elle, tu sais quoi, je t'explique. Dans tous les artistes qu'on reçoit en dancehall, qu'apporter en soirée. C'est tout, il faut pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors. D'où te vient ton inspiration, Soro? Ma vie. Ce que je vis, je chante. Par exemple, à la APK, c'est sorti d'où? À la Madrid, le Real. Oh là là là, ça y est, le foot. D'où dans le club? J'aime le Real. J'aime le Real, je suis un peu plus sérieux. Oh, wow, wow, wow. À la Madrid, ouais, parce que j'aime le Real. Très bien, d'accord. Alors, est-ce que tu es un artiste dans le milieu antillais avec qui tu te vois collaborer? L'artiste là actuellement dans le zouk ou dans le dancehall? Un artiste avec qui tu te vois collaborer? Ça non, j'allais dire. Joli! 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 J'aime beaucoup, non, non, c'est bien. C'est joli. Merci. Je vous explique. Je vous explique. Depuis tout à l'heure. C'est chaud. En fait, depuis tout à l'heure, je vous explique. Il y a une question avec le clash Sahel, mais je me dis, est-ce qu'il faut que je l'introduise? La tablette trop. Depuis tout à l'heure aussi, là. Bon, est-ce qu'on l'a. Alors, on va parler sincèrement. Affaire Sahel, explique-nous l'affaire Sahel. Non, mais il finit quand même. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Pour l'expliquer, il est chaud. Franchement, j'aime bien des artistes comme Bouban. Fais tout l'heure en français. Ouais. Bouban, Nio. Nixa. Niska. C'était avec Mr. Vegas aussi dernièrement. Ouais, j'étais avec Mr. Vegas. Un feat. C'est possible. C'est pas trop mon kiff. Ouais. Mais s'il y a un feat, ouais, pourquoi pas. Très bien, en tout cas, continue toi aussi à faire ton travail, parce que tu as fait quand même un bout de chemin jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et avec les APK aussi, j'espère qu'on recevra chacun des APK, Chrissy, DLF, enfin Didier Skunk, parce que vous êtes vraiment tous talentueux vraiment de votre coup. Merci. Alors, merci d'avoir tendu la perche. L'affaire Sahel, alors, pour résumer, enfin, de ce que moi j'ai su, c'est que Sahel aurait déclaré sur notre chaîne tes morceaux ne pouvaient pas passer dans un mariage et compagnie. C'est parti de là. Explique-nous un peu l'affaire Sahel exactement. T'as pas envie? Ah, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est ça, dit. On s'est checké. Ouais. On a été dans un. Enfin, je l'ai invité dans un anniversaire. Ok. Il est venu, après quelques temps après, il est passé à la télé. Il m'a manqué de respect. Donc, j'ai répondu, tu vois. Mais est-ce qu'actuellement, vous êtes quand même en bonne entente ou non, pas? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. En fait, il vit sa vie, je vis la vie. Tu vis. Ouais, tu t'en fous. Exact. Ok, très bien, d'accord. Mmh. Et puis alors, bon, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'en vois beaucoup Soro dans les clashs. J'ai vu aussi un clash avec Spectre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais c'est pareil en fait. C'est tout. C'est un téléphone de jumeaux. Oh, la même mentalité. Quel message t'auras leur donné par exemple? Tu les considères un peu comme des haters? Occupez-vous d'eux. Occupez-vous de vous, c'est la phrase. Occupez-vous de vous. L'affaire Spectre, enfin, juste 5 secondes, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, j'ai pas suivi personnellement, je vous jure. Des petites histoires bêtes, hein. Des petits trucs de gamin. J'ai fait le gamin aussi, tu vois. Ouais. Je joue au gamin aussi. Ouais. Mais c'est ça, c'est des disques. Par rapport, j'aime pas sa musique parce que ceci, cela. Ouais, bon, des histoires. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, tu as sorti dernièrement ton nouveau titre qui s'appelle Chalet en featuring avec DLF, pardon. Ouais. Explique-moi comment c'est parti la vague justement Chalet qui fait que Luana se retrouve le week-end. C'est toujours sur moi. Toujours comme ça. Ben, c'est DLF, hein. DLF qui a écrit le titre. Et puis, j'ai écouté, je lui ai dit, ah, j'aime bien. Mm-hmm. Est-ce que je peux poser un... Je lui ai demandé la permission, bien sûr. Est-ce que je peux poser un couplet? Et c'est parti comme et ça. Puis, vas-y, on est parti. Très bien. Alors, vous avez monté votre label Les APK, c'est ça? Si je suis bien au courant. En fait, on a deux labels. Exact. Il y a le mien. D'accord. Et celui de Skunk. Ok, très bien. Voilà. Et c'est lequel qui produit alors les QLM? Puisque vous êtes quand même tous une famille, hein, c'est ça? Ouais, c'est une seule grande famille, mais c'est Skunk qui est le magicien, là. C'est lui qui. Qui est le plus sireur dans le crew? J'aurais bien aimé savoir. Qui est le plus sireur? Je suis sûr que c'est toi. Mais bon. Oui, je pense. Au sourire. Nous sommes tous.
Oui. D'accord, très bien. On a tous un petit truc, bien voilà. Donc venez tous de Saint-Joseph, c'est ça. Voilà. Alors, et les QLM, quel mot j'aime beaucoup dans le public Aurélie qui est là en mode Saint-Joseph, Saint-Joseph représente. Alors, les QLM, ils ont fait quand même aussi eux aussi un grand carton depuis un bon moment. Quel message leur aurais passé. Quel message aurais-tu à faire passer au QLM pour ceux qui te regardent? De continuer et puis garder là toutes les épreuves parce que plus ça va, comme je l'ai dit, faut pas monter plus vite, faut aller de continuer les gars, ne baissez pas les bras et puis voilà. Quel est selon toi la magie de tes morceaux? Qu'est-ce qui fait que... Ouais. J'aime beaucoup Michel. Michel a dit beaucoup de basse. Le morceau qui m'a marqué, c'est ta copine. Pourquoi? Le début de la musique. Ouais. Ça fait beau au cœur. Ah ben, tu sais quoi? On va regarder justement. C'est une très bonne transition. On va regarder justement le clip de ta copine. C'est parti, on revient de suite. Tu sais, ma maîtresse, je sais ton maître. Bisous à ta copine. Fais un petit câlin à ta copine. Fais un petit coucou à ta copine. Sinon, les yapés, qu'avant de s'occuper de ta copine. Fiche que t'es bonne bébé. T'es sexy. Fiche que t'es jolie bébé. T'es jolie. Fiche que t'es belle bébé. T'es belle. Baby madame ou faut dire au attentionné, faut dire au passionné. Aïe aïe aïe, sinon madame ou que faut démissionner. De Soro, le son que Michel aime beaucoup, tu danses dessus c'est ça? Mais bien sûr. Explique nous alors le son, tu l'as ressenti comment? Tu te sens? Je sens dans la chambre avec la basse. Je pense que tu le penses. Mais il date quand même. Je me pense qu'il date de la seconde. Eh ben... Oui, c'est vrai, parce qu'on chantait ça avec Stéphanie, une copine à Tijoux. Oui, et le c'est son vrai. M'a marqué. Ouais. Il m'a mis le son c'est vrai. Marqué. En 2016, il a dit. Eh ben, mais ça nous a marqué, parce que tu sais, c'est nos débuts. Mais de toute façon, vous êtes de la même espèce, hein, toutes les deux. C'est la même espèce. C'est là que tu as commencé à sortir. Oui. Je peux me permettre, quand j'étais au lycée, donc en terminale, quand Yaya sortait des sons, Parce qu'on savait qu'il y avait une espèce de truc. Donc, moi, je ne connaissais pas encore. Je connaissais KMT. Je ne connaissais pas Skunk. Je ne savais pas KMT, c'était Skunk. À l'époque, je mixais déjà, mais dans ma chambre, machin, etc. Tout ça. Mais à chaque fois que les gars sortaient. Tu as dit, j'ai dit ça, j'ai des frissons. Là, les gars sortaient des sons. T'avais une espèce de pression. On était là et on écoutait le son. On se disait, mais les gars, c'est pas possible. Les gars ont vraiment révolutionné un peu la dancehall. Parce que moi, la dancehall était. Parce que ça a été beaucoup critiqué. Moi, j'étais le DJ officiel de Tibica pendant un moment. Les gars ont été critiqués. D'un sol de notes. On s'en fout. Le son est bon. Tu vois? C'est vrai, le son est bon et le son, ça a fait danser des gens pendant des générations et jusqu'à maintenant. Ah oui, donc, on peut critiquer deux notes, mais jusqu'à maintenant, il est là, il est plus. Ouais. Non, c'est vrai. En tout cas, on peut applaudir. Ouais. Soro. Tout à l'heure, on va écouter justement Soro. Pour finir l'émission, on va écouter un petit morceau de Soro qui va nous faire en live. Alors, on continue avec le... Ah, pardon, excuse-moi. Bon, cette émission, vraiment, c'est du bordel. On me dit qu'il y a un appel. Allô? Allô? Il n'y a pas d'appel. J'aime bien parce que ce roi fait « Tu as quelque que tu sais allô déjà ?»« Bonsoir !»« Oui, bonsoir. Comment ça va ?»« Taïna ?»« Oui, c'est Taïna. »« Oui, ça va bien ?»« Ah, c'est bon. »« Comment ?»« Ça va bien ?»« Oui, ça va bien. » Alors, on va te faire gagner des places. Est-ce que tu as un message à laisser pardon, pour ce... Pour ce... Pour ce... Est-ce que tu as un message à laisser pour ce roi ? Oui. Oui ? Oui, alors ? Oui. Oui, c'est bien ça la question. Oui, c'est bien ça la question. De continuer et toujours garder la même équipe. D'accord, très bien. Donc tu danses sur Soro, c'est ça ? Comment ? Tu danses sur du Soro. Ah, bien sûr. Ah, d'accord. tu fais partie, t'es plus Luana ou bien Michel ? Comment ? En termes de danse, bon, de toute façon c'est la même chose. Mais en termes de danse, tu es plus Luana ou bien Michel ? Les deux. Ah, ouais ! C'est la catastrophe. Oui, c'est la catastrophe, la cata déchet, la cata. Bon, d'accord. Alors, on me dit que tu as remporté. Merci d'avoir appelé. Tu as remporté des places pour aller au cinéma, c'est ça? Une place pour aller au cinéma. D'accord. T'es contente? Oui. Oui, bon. Un petit cri de guerre. Oui. Pour la faire du bruit. Mafia gangster.
Ok, très bien. Bon, alors merci en tout cas, Taïna. Bon, vous savez quoi, on continue avec le buzz. Moi, c'est un petit jeu qu'on va faire vite fait. Alors, j'aime beaucoup faire des jeux. Soro aussi va faire partie du jeu. Donc, je vous explique. Hein. Le but du jeu, il s'appelle le buzz moi. Mm-hmm. Vous pensez bien que. C'est le retour. C'est le retour du stylo électrique. Comment t'as dit que ça va être. Ce stylo donne des coups de jus. Donc, alors, je vous explique. Je vous explique, pardon. Le buzz moi, c'est que je vais vous donner un thème. Et chacun devra répondre en moins de 5 secondes, c'est ça ? Mm-hmm. En moins de 5 secondes, chacun devra répondre au thème, d'accord ? Donc par exemple, si je vous dis tout ce qui se trouve dans le sac d'une femme, Kevin a donné une réponse. Ah, je suis forte ! Ah, c'est bien. Okay. Je suis forte à ça. Et au fur et à mesure, il y aura des gens qui seront éliminés. Oui. Et bien sûr. Ok, je suis chaud. Piche on commence, t'es prêt ou pas pour le. Est-ce que. Vous êtes... Quoi, t'as peur ? Je fais pas ça. Mais vraiment, et moi juste, pas. Ça va, ça passe. Quoi. Ça passe. Ouais. Ça passe. Ça passe, d'accord. Donc, je vais vous expliquer, les amis. C'est un stylo électrique, donc en fait, ça donne un coup de jus. Vous pensez bien que je vais pas l'essayer de toute façon. Tu veux l'essayer ? Non, pas du tout. D'accord. Tijo, est-ce que tu es ready pour le chronomètre ? Je ne trouve pas le chronomètre. Ah, très bien, d'accord. Ok, je vais vous bienvenue sur KMT. Alors, bon, c'est pas grave, on va faire le chrono vite fait nous-mêmes. Si je vous donne alors le thème, c'est un objet. Attends, mais qui joue ? Non, mais c'est à la suite. Hein. Ah, je vais vous désigner. Ok, vas-y. On fait comme ça. On fait comme ça. Tijo, tu joues aussi, d'accord ? Non. Oui, merci. Allez, c'est parti. Un objet en V. V1. Vélo. Vase. Voiture. Vitre. Merci. Non, si, 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 si. Si, ma vie. On va régler ça toute seule. Dans ça. Ça. Kevin, c'est parti, on a bien Vélocycle. Non, non. Non, vélocycle. Non, allez, allez. Ça marche pas, celui-là. Ah, mais non, si ça a fonctionné. Non, mais je suis déjà. C'est une fois sur deux. Je sais pas où il y en a un objet en V. Un objet en V. Une vulve. C'est pas. J'ai pas. Quoi? Un objet en V. Ventre. Voiture. Un objet en V. Ventre. Ah oui, stylo. Tiens. C'est Michel. Il y a Kevin avant moi. Allez, c'est Michel qui a dit ventre. Allez, on y va. Un, deux. Ok, très bien. C'est parti. Michel, une tarte aux fruits. Fraise. Tarte aux fraises. Tarte à la fraise. Tarte aux fruits. Mais je suis pas éliminé, moi. Tarte aux fruits avec. Un nom de tarte. Un nom de tarte aux fruits, oui. Je suis pas éliminé. Oui, t'es éliminé. Mais non, puisque le stylo ne mange. Non, t'es éliminé. Tu as dit tarte aux fruits. J'ai dit fruits. Ok. J'ai déjà dit tarte aux fruits. Tarte aux fruits. Mais il faut redire. Bon, c'est vrai, excuse-moi. Soro. Bah, c'est pas bon. Titi Fruity, c'est un gâteau. Oh non. Celui-là, ça va, ça va, pas fait, ça va. Ok. Bon, mais c'est les deux filles qui sont en duel. Ah, oh. C'est parti. Alors, nom de lieu en F en Martinique. François. Fort de France. Nom de lieu. Un lieu, hein, même. Fontaine-Denis. Fontaine-Louis. Fontaine-Denis. Non, mais non. Fontaine-Marie-Reine. Fontaine-Boucher. Pour l'Orient. Prends les deux. Vas-y, tu fais les deux en même temps, ma chérie. Ça me stresse. La souffrance grossit la puissance. Bon, Michel, c'est bien. Michel gagne quand même beaucoup les jeux. Oui, hein, ah ben oui. Alors, sauf que elle a déjà une efficace qui lui souffre, mais moi, vrai. Non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon. C'est vrai, c'est mais vrai. Oui. Mais c'est vrai que quand tu as une rasta comme Kevin, de toute façon, regarde le truc. Le truc commence déjà. Tu comprends même pas. Ça va. Allez, bon, Kevin, tu sais, bon, on continue avec ta chronique. Alors, l'info selon Kevin, on a ce jingle. C'est parti. Allez, Kevin. Salut tout le monde! Alors ce soir, l'info selon Kevin est de retour. Donc toujours trois informations. L'info number one, c'est une info culture et sport. Donc à votre avis, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a eu en sport et en culture? Où? Quelque part dans le monde. Oh. J'adore. Soro, tu sais pas? En sport, il y a eu un match de foot. Non, mais non! C'est l'arrivée de la route du Rhum qui a eu lieu. Voilà, mais je fais quand je veux.
qui a eu lieu dimanche dernier, donc dimanche 11 novembre 2018. Les deux premiers sont arrivés vers 23h et des poussières devant le Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Francis Joyon, 62 ans, donc, a remporté la 11e édition de la Route du Rhum. Donc, il est originaire de Trinité-sur-Mer, en France. Il a établi un nouveau record qui est de 7 jours, 14h, 21 minutes, contre 7 jours, 15h et 8 minutes pour Loïc Perron, ancien gagnant de 2014. Oui, tout seul. Donc, c'est également la troisième fois qu'il gagne cette Route du Rhum sur cette participation. Donc, bravo à lui malgré son jeune âge. Les deux premiers donc, sont arrivés côte à côte et l'argent qu'ils vont gagner, le premier 50 000 euros, le deuxième 25 000 et le troisième 15 000. Info 2, divertissement. Bien sûr, on sait tous que c'est de The Voice que je vais parler. Les tournages de la saison 8 ont commencé le 12 novembre, donc lundi dernier, exactement. Donc, il y a deux petits nouveaux qui rejoignent la troupe. Soprano ainsi que Julien Clerc, deux grands chanteurs qui marquent l'histoire de la France au fur et à mesure. C'est Julien Clerc, ça? Oui, c'est Julien Clerc. Il a vieilli ouais, depuis les années 50. Alors, chaque coach, il y a une petite nouveauté, hein. Chaque coach a la possibilité de bloquer un camarade pendant les auditions pour l'empêcher de voler un talent. 130 candidats se présenteront devant les coachs sur 10 000 candidatures et 1 500 vues par la prod. Pour les fans du programme, il faudra juste attendre janvier 2019 pour regarder l'émission. Il parle surtout de lui. Pas du tout. Info 3, on passe aux dates. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre, date très importante dans l'actu histoire. Alors, le 19 novembre 1600, ça remonte beaucoup, hein. Je pense l'année de naissance de tous les personnes âgées. Alors, c'est la naissance... de Charles Ier, donc en Écosse, au Royaume-Uni. Oh, il est laid. Et il est décédé le 30 janvier 1649 à Londres. Donc c'était le roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, de 1625 à son exécution en 1649. Bon, bien sûr, c'est la monarchie absolue. Hein. On connaît tous ça, parce qu'on l'a vu en histoire à l'école et qu'on est sérieux. Alors, je suis perdu. Il essaye d'imposer des réformes religieuses à ses sujets. Donc, une guerre civile s'impose entre ses partisans, les cavaliers, et ceux du Parlement, les têtes rondes. Entre 1648 et 1649, il est vaincu, capturé, jugé, décapité et mort à Londres. J'ai l'impression d'être dans le crime. Info 2. 19 novembre 1600, soit 1974, c'est le dernier voyage du paquebot France, malheureusement, qui a été mis en service le 19 janvier 1962. C'est un paquebot transatlantique qui a été construit à Saint-Nazaire. Il a effectué la traversée pendant 12 ans. C'est Charles de Gaulle qui a inauguré ce paquebot. Donc, comment vous dire que c'est de l'ancien temps. On doit aller. Il fut pendant longtemps le plus grand paquebot du monde, avec 1100 membres d'équipage et 2032 passagers, contre aujourd'hui le Harmony of the Sea de la compagnie Royal Caribbean, avec 2394 membres d'équipage et 6296 passagers. Merci, Kevin. Il est revenu à un homme d'affaires saoudien en 77, mais est détruit en 2009 en Inde. Voilà. Les gars, je crois qu'il n'y a pas plus long que la chronique de Kevin. Mais c'est pas long. Mais pourquoi autant d'informations, en fait? On n'a pas battu la savane des prédifications. Oh, ça tire. Ça tire, donc... pour moi, c'est de la culture générale. Oh, merci beaucoup. Ça tire. Bon, alors, les amis. C'est pas ce que tu as fait. Bon, d'accord, ok, très bien. Vous pensez bien que ça va être le bord de ce plateau. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? On fait un peu de buzz, moi, encore une deuxième manche. Oui, et puis oui, après, oui, on finit avec Soro. Oh, oui. Exact, oui. Vous voulez... Oui, oui, oui. Attends, ton bic là encore là. Non. Ok. Et le DJ joue pas.
Non. Allez, je te laisse. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut trouver les thèmes. Je rigole. Allez, c'est parti. Les pays d'Europe. France. Espagne. Belgique. Espagne. Allemagne. Italie. Allemagne. Okay. Portugal. Grèce. Écosse. Turquie. Grande-Bretagne. Malte. Finlande. Luxembourg. Dommage si le. J'adore. D'avance. Ah, c'est bon. Non. Tiens. C'est bon, ne fais pas ça. Vas-y. Elle est inquiète. Ok. Allez, Michel. Je compatis à ta vie. Ah, mais j'ai fini, hein, moi. Attends. Oui. Non. Allez, Michel, là, tu vas le faire. Je vais parce que j'ai pas de stress. Si. Allez, on y va. Mais c'est ça le but. Allez, Kevin, pays d'Europe. Finlande. Okay. J'ai déjà dit. Ah ben Angleterre, c'est. Non. J'ai déjà dit. Non, c'est bon. Mais j'avais pas entendu que tu avais dit ça. Il faut suivre. Ça fait pas celui-là. Ça fait mal, mais c'est bon. Mais c'est déjà l'habitude. Hein. Oh là là, vieux jeu, le mec. Il reste Soro et Luana, c'est ça? C'est moi. C'est tout? C'est tout? Non, moi je joue pas. Ouf, mec. Dessert au chocolat. Je cherche un thème, c'est pour ça que je serai un des ralentis le groupe. Allez, dessert au chocolat. Donnez-moi un thème. Dessert au chocolat. Ce sera pas long. Ou forêt noire. Non, mais je sais pas moi. Attends, dessert au chocolat. Ce serait plutôt long, moi. D'accord. Bon, un pain au chocolat, j'accepte. Éclair au chocolat. Religieuse au chocolat. Moelleux au chocolat. Un chou à la crème au chocolat. Fondant au chocolat. Trianon. Une chouquette au chocolat. Un trianon au chocolat. Bavarois au chocolat. Pomme cannelle au chocolat. Une tarte au chocolat. Chocolat pain au beurre. J'ai gagné là. Non, c'est ça. On peut pas continuer après ça. Là, il a plié le game. Oui. Bon, les amis, non, vous savez. Non, j'ai pas perdu non plus. Non, elle a pas perdu. Michou a cassé le stylo. C'est pas grave. Vous savez quoi? Bon, alors, on touche bientôt à la fin de l'émission. Mais en tout cas, avant de partir, il faut que forcément Soro nous fasse un petit freestyle pour la fin de l'émission. C'est parti, on lance le dub et on y va. Soro. J'adore. Oui, ça joue. Appuyé, pas craqué. En plus, passe, mi soir, y'a déclenché. Ma demoiselle, faut te coucher, tête. Ton palais qui a fait un livre, ni un local pour bibliothèque. Parole, t'as la gâteau bétec. À la APK. L'on de vie à squat TV. Des boîtes et fesses sautées, en l'air. Paré tes moun souhaits, ça qu'a fait 10 ans, nous passer à l'euro. C'est nul. Vous méritez un gros zéro. T'as la CDM sol, c'est pas boléo. La nia la vête qu'a fait bol. Je crois que je suis chiré. Moi je vais mettre la cote, j'ai pas yo jalousie. M'a posé yo calme dans jacuzzi. Ou peut parler mal si mes sang on dit ou dit. À la Squat TV. Longue vie à Squat TV. À la Squat TV. Longue vie à Squat TV. Des boîtes et fesses sans on l'est. Squat TV. Big up Squat TV, on va les amis, on remercie Soro. Venez. Tijo, tu peux venir. Oui, Tijo est bloqué. J'ai oublié. En tout cas, les amis, vous savez qu'on se retrouve lundi prochain en direct à 20h45 sur KMT. On remercie aussi la technique de KMT. On remercie Jean-Michel, Titus, Axel, Paco, Anja, Yanis, Aurélie et puis aussi Noémie. Et puis Brigitte, eh ben vous aurez pu m'aider quand même. Tu t'es mis très bien. Moi, j'embrasse ma maman, très fort, qui est reparti dimanche. Bisous. D'accord. Alors, on remercie aussi Icar Distribution. On remercie aussi Benjo. Enfin, on remercie Giovanni et Jean-Yann. En tout cas, merci beaucoup de nous regarder chaque lundi en direct. Michel, Marcel, Jean-Claude et Chantal. La fine bouchée d'or. Vous savez quoi? On se retrouve lundi prochain en direct à 20h45 sur KMT avec l'équipe du Squat.